Je suis comme l'oiseau sur la branche, je ne dors plus, je ne vis plus. En me demandant si dimanche je serai parmi les élus. C'est une obsession perpétuelle, la nuit, le jour, j'entends partout la même phrase qui me harcèle, me poursuit comme un tif fort tout. En attendant mon élection, je me dis à tise question, oui ou non, le serais-je, ne le serais-je pas, passerais-je, ne passerais-je pas, obtiendrais-je l'appui des radicaux, grouperais-je les voix des socialos. Assez bien triste en vérité de se voir ainsi ballotté. Siégerais-je, ne siégerais-je pas, échouerais-je ou n'échouerais-je pas, deviendrais-je un grand homme d'État, le serais-je, ne le serais-je pas, comme Hamlet l'a dit déjà, l'être ou ne pas l'être, tout est là. M'a traité sur les affiches de renégat et de voyou. Mon adversaire, un nouveau riche, m'a baptisé l'œil de Moscou. Pour obtenir toutes les bonnes grâces, mes électeurs, depuis un mois, j'ai tant sifflé de leur finasse que je me suis cassé la voix. Hélas, malgré toutes ces tournées, qui peut dire comment va tourner cette journée? Le serais-je, ne le serais-je pas, sortirais-je, ne sortirais-je pas, passerais-je, enfin au second tour, passerais-je l'aspirateur toujours, monterai-je au palais Bourbon ou monterai-je le charbon? Secourais-je le joug des financiers? Secourais-je les tapis de l'escalier? Ouvrirai-je les yeux aux électeurs? Ouvrirai-je la porte aux visiteurs? Comme Briand l'a dit déjà, tenir la queue de la poêle, tout est là.